Alors, Maëlie, dernier petit point vidéo, c'était en France. Exactement, ouais. On s'est arrêté dans le brouillard. Maintenant, il fait beau. On est le 10 octobre et on est en Espagne. Passer les choses, alors accrochez-vous. Commence par peut-être comment on est passé la frontière. Par le col du Pourtalet. Magnifique col, 28 km, 1000 croix de dénivelé, c'était super beau. Les Pyrénées, c'est beau, mais pour ça, il faut du soleil. Nous arrivons au sommet du col du Pourtalet qui fait la frontière entre la France et l'Espagne. Faites quoi, les gars? On fait un peu le... Là, t'arrives à me scotcher. On fait de la Gore-Tex. Ouais, il y a Gore-Tex Pro, ouais. Gore-Tex Performance, ouais. Gore-Tex Pack Light, et ouais. Gore-Tex Extreme. Gore-Tex sac poubelle. Ouais. Et puis après, tout de suite, aller en direction du parc naturel d'Ordesa et Monte Perdido pour préparer 3 jours de randonnée dans le parc parce qu'on n'a pas le droit d'y aller avec les vélos. Mais alors, ça valait le coup. On a changé un peu d'environnement, on restait toujours dans les montagnes, mais complètement différent l'ambiance, car on allait en direction de Ainsa. Là, on est arrivé dans le parc de la Sierra de Guara, qui est très très joli. Après ces efforts, nous voilà à notre endroit de camping. C'était marqué observatoire, on est obligé d'y monter.
Oh ouais, regarde, c'est gourmand ça. Mais oui. Mais oui que c'est gourmand. Mais je pense que si les confitures espagnoles sont pas bonnes, ça va partir sur des Nutella et du chocolat.